Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une nouveauté, en tout cas vous parler d'une nouvelle édition de chez Cold Steel. Voici le Voyager Vaquero. Regardez-moi cette ligne ultra agressive, ces courbes sur cette lame qui sont vraiment superbes. Alors après c'est propre à chacun, on aime ou on n'aime pas, moi j'ai littéralement craqué dessus. Je vais vous parler un petit peu de ce Vaquero, mais principalement vous parler de la gamme Voyager dans cette nouvelle édition proposée par Cold Steel. Le principal changement va se faire au niveau du manche, d'accord. Au niveau de la lame, ils ont gardé exactement le même type de finition et le même type de cahier des charges. On est toujours sur de la US-8, toujours une ouverture droitier-gaucher. Je vous avais présenté il y a maintenant quelques temps. Cette gamme Voyager, donc la première édition, ils ont modifié au niveau des sum studs. Donc ça, c'est un premier point qui est très intéressant. Je reprochais aux sum studs de la première édition de glisser un petit peu. On n'avait pas forcément très très bien en grip. Et là, l'avantage, c'est que sur cette deuxième, ils l'ont équipé du même type de sum stud qu'on retrouve sur leur version AK-47 et leur version Recon One. Donc ça, c'est un bon plus. Vous avez donc une grande partie des changements, comme je vous disais, qui se fait sur le manche, mais également bien sûr sur le système de sécurité. Les anciens Voyager étaient équipés d'un système de verrouillage, donc lockback, tout ce qu'il y a de plus standard, qui était très résistant. C'est un couteau qui a fait le boulot. Beaucoup de gens qui ont bossé avec la première gamme de Voyager, qui se sont amusés un petit peu en outdoor, se sont vraiment régalés avec ces produits-là et restent fidèles à ce produit. Maintenant, sur la nouvelle édition, vous allez avoir des gros changements au niveau du manche. Regardez déjà un petit peu au niveau des reliefs donc sur cette nouvelle édition. Il faut savoir que même si ici on est sur le modèle du Vaquero, le modèle Voyager traditionnel est équipé de même type de finition. Donc on a un relief au niveau du grip beaucoup plus prononcé, justement pour avoir un peu plus de sensation et un peu plus d'accroche dans la main, qu'on soit main nue ou avec des gants par rapport à l'ancienne version. Donc le système Triad, hein, Triad Lock, propre à Cold Steel, qui équipent aujourd'hui tous leurs folders. Donc un système qui a été testé par Cold Steel, par des tests très impressionnants, mais également que beaucoup de passionnés comme moi et collectionneurs se sont amusés à tester sur le terrain. Vous avez pu voir les tests que j'ai pu faire avec mon pote Fred aussi sur le verrouillage du Triad. Donc très très intéressant. On a un travail au niveau du manche, au niveau de la ligne qui a littéralement changé. On est ici sur la gamme large, donc tout comme la première édition que je vous ai montré. Clip ceinture, hein, deux positions possibles, donc ça reste très intéressant. Au niveau de la ligne, on a un manche beaucoup plus bombé, donc un peu plus de matière à l'intérieur de la main. D'accord, un peu plus d'accroche. Donc ça pour moi c'est un confort supplémentaire. Au niveau de la silhouette, au niveau de la ligne du manche, je trouve qu'on a le couteau beaucoup mieux en main que les anciennes versions. Donc ça, c'est toujours un plus. Et le gros point fort, c'est cette prise au niveau de l'index qui a été entièrement travaillée, arrondie. On ne se blesse pas avec les bords des plaquettes. On a un confort, mais vraiment, vraiment très, très agréable. Qu'on soit sur une coupe légère ou même une coupe très, très appuyée, s'il y a besoin de forcer un petit peu, vous n'allez pas avoir une main qui va être blessée. Ça reste très, très, très agréable. Donc voilà pour ces petits changements au niveau de cette nouvelle gamme Voyager. Également un renfort à l'intérieur des plaquettes qui va alourdir très 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 légèrement le produit, mais on est quand même sur un folder qui, tout ce qui est plus simple à transporter et tout ce qui est plus agréable. On n'est pas encore sur du zéro tolérance, tout va bien. Donc voilà pour ce Vaquero nouvelle édition. Je vous invite à découvrir pour tous les mordus de la gamme Voyager et qui attendent la nouvelle édition. Bien sûr, renseignez-vous auprès de vos revendeurs. L'ancienne édition, voici la nouvelle.